Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce mercredi soir pour une nouvelle session de Immortal Phoenix Rising. Avec un peu beaucoup de retard, hein, 30 minutes de retard à cause de... Et salut Lorex et salut Elf d'ailleurs. Graou Elf. Avec un petit peu de retard avec les problèmes de connexion de Twitch du coup. Je vais essayer. On va essayer de reprendre le jeu du coup. Tranquillement. Ah! Ah non, ça va pas le faire, Coco. Réveille-toi. Il faut que je relance Touch Portal. Que je me fasse pas attaquer pendant que je relance les applications. Allez, tu peux le faire. Tac. Tac. Oh, ça pue ça. Ah, et là ça marche? Voilà, c'est bon. Ah ouais, c'est... il est magnifique. C'est le jeu de... que actuellement on est en train de jouer, Lorex. Petite information. Du coup... Du coup, ouais, c'est vrai que le chat, j'ai que sur un seul écran. Je l'ai vu sur mon retour, du coup. J'ai la moitié de mes écrans, mais c'est pas grave. Pas quand même pour ce soir. Du coup... On avait fini la première île de début, la semaine dernière. Et on a volé jusqu'ici. Et fait le... Je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Légende. La première crypte. Et la première crypte. Je pense que je vais me diriger vers l'objectif de toute façon. Histoire de choper peut-être une bonne vision sur la zone. Ce serait cool. Alors, c'était pas le mode photo que je voulais. Faut que je m'en rappelle tout. Alors, sauter. Et courir. Non, ça c'est un coup fort, un coup léger, donc ça c'est ça, ok. Voilà. Si je fais une esquive et que je maintiens... Tac, tac, tac. 3 esquives max. Ok, l'arc c'est habituel. Ok. Par contre, j'avais un mode jumelle, je sais plus où il est. Ah! J'ai retrouvé la monture, c'était pas ça. Une semaine, j'ai oublié toutes les touches. Ouais, non mais ça c'est habituel, hein, c'est... On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Ah! Donc ça, je pense que c'est pour passer à la nuit. Coucou, le Rex. Donc voilà, j'ai passé la nuit, c'est magnifique. Ah, c'est une touche que j'avais jamais utilisée. Ou quoi? Il y avait une touche que j'utilisais assez souvent, c'est pour repérer ce qu'il y a dans la zone. Merde, je vais utiliser une potion comme un con. Plutôt inutile. Donc c'est pas ça. C'est ça. Donc elle dort en tailleur, elle est balèze. Bah oui. Non, elle se repose pendant 24 heures. En 12 heures si on fait la nuit. Max. C'est vrai que j'ai le double saut du coup. Ça c'est le mode photo. Y a-t-il un... explication des touches? Option des touches. Graphisme commande.
Idéal arc, aptitude au corps à corps, menu du personnage, déplacement, attaque légère, contrôle de la caméra, vision lointaine, maintenir. Ah, faut maintenir sur le pad de droite. Ok. Évidemment, j'en avais aucun souvenir. Est-ce qu'il me faudrait. C'est. Ah, c'est fermé gold, visiblement. Est-ce que. Ah ouais, non, mais Discord est là. Ah, Discord est là. Tac. Hop. Voilà. Je vais mettre le Rex en plein écran, du coup. Du coup. Je pense que je vais partir sur l'objectif. C'est ça qui va m'indiquer comment repérer la zone. Alors, dieu et monstre, et bah c'est parti. Est-ce que tu sautes? Visiblement oui. Ça peut sprinter, ok. Mais par contre, il va falloir que je monte. Ok. Découverte, la halle des dieux. Ni plus ni moins. Ah! Je peux monter avant de perdre ton endurance, merci. Voilà. Ok, t'as ton gourdin. Hein? Bon, pas là, t'es avec moi ou contre moi, toi? Non, c'est eux qui sont avec moi. Ok. Ok. On prend les ennemis. On revient. Oui, moi aussi. Quand j'ai parlé de Gourdin. Que j'ai dit. Oula, par contre. Ah.
Eh bah dis donc, c'est pas polichon tout ça. Hein. Pour regarder si le son était correct. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Rien d'exceptionnel. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses encore. Que je pourrais en profiter. Faire un petit tour d'horizon. Vu que j'ai un petit peu avancé. Bon, sur une zone que je viens, j'ai rien trouvé. Et ben on va continuer à monter. C'est un peu haut. Ça ressemble quand même à quelque chose qui va être enlevé, non? Je sais pas. Bizarre. Ok. La vue de la grande halle laissa Phénix sans voix. Oh, c'est incroyable. Tout va bien, même s'il faudrait redécorer. Le motif des colonnes est un petit peu daté. Alors, on est en sécurité ici. Tu te souviens, j'ai volé quelque chose à Typhon. Un petit morceau de son œil afin de cacher cet endroit à son redoutable regard. Je t'en prie. Tu as dit que c'était la halle des dieux. Alors ? Où sont les autres ? Laisse-moi commencer par le commencement. La main posée sur l'épaule de Phénix. Hermès lui conta l'histoire de Typhon, le destructeur des dieux. Typhon, né de Gaïa, était une bête cruelle et terrible. Il s'était juré de libérer les titans et d'éliminer les dieux. Il défia Zeus, l'enjeu étant le règne sur le cosmos. Par chance, Typhon fut vaincu. Ah ben ça, je veux, ouais. Et il fut enfermé sous une montagne, où il ne pouvait plus nuire à quiconque. Il
faut que je retrouve la forme que j'avais à l'époque. Durant des millénaires, Typhon ne cessa de ruminer. Jusqu'à ce qu'Hélios soit éclipsé et que des étoiles incandescentes tombent des cieux. Ces étoiles firent fondre les chaînes de Typhon. Et, dans une explosion de feu et de fumée, il surgit dessous la montagne. Les dieux l'avaient humilié et supplicié. Plus jamais, jura-t-il. Ce monde sera purifié et les dieux seront châtiés. Dès lors, Typhon chercha à se venger. Détruisez le voile qui sépare cette terre sacrée des enfers. Que les dieux aient à connaître le Tartare. Piétinez, dévorez et réduisez en poussière ces faux dieux. Approchez Olympia, prenez vos armes et venez m'affronter. Vous avez sous-estimé ma puissance et vous vous êtes vautré dans l'orgueil. Succombez à mon infinie perfection. Certains dieux prirent la fuite. D'autres restèrent pour combattre. Beaucoup furent capturés. Typhon les disloqua, les priva de leur précieuse essence et les transforma irrévocablement. C'est alors que, désespérant de pouvoir sauver leur domaine, les dieux firent appel aux héros d'antan, les derniers guerriers à posséder du sang divin. Faible et égoïste, vos héros ne seront plus que les ombres d'eux-mêmes. Ils me serviront à jamais. Les dieux avaient échoué, les héros aussi. Mais alors que tout espoir semblait perdu, oui, il y eut beaucoup de combats et de défaites. Et tu es notre dernier espoir de rendre à ces terres leur gloire passée et à sauver le monde du chaos. Nous n'avons plus que toi, Phénix, mais aucune pression. Je ne sais plus trop qui est qui. Celui avec les cheveux en pointe, c'est Typhon ou c'est toi ? Peu importe, il faut rendre aux dieux vaincus leur essence afin qu'ils recouvrent leur pouvoir. Ensuite, ensemble, vous devrez vaincre Typhon. Franchement, ça fait beaucoup. Si au moins mon frère était là. Écoute, petite, je ne suis pas parfait. Par Zeus, c'est moi qui ai accompagné Pandore sur Terre. Mais peut-être, je dis bien peut-être, es-tu l'héroïne qu'il nous faut. Et puis, comme tous les autres ont été vaincus, nous n'avons vraiment plus que toi. Bonne chance! Moi, je vais rester ici à ne rien faire. Enfin, à préparer les préparatifs. Merci, si j'ose dire. Oh, tu fais encore cette tête. D'accord. Le mieux, pour commencer, et de rejoindre le sommet des autres statues de l'île d'Or afin de chercher la trace des dieux disparus. Trouve-les, et ils pourront probablement te dire où est leur essence. Quoique, ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, alors je n'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? À toi de le découvrir ! Réfléchis, Phénix. D'accord. Que ferait Dieu et monstre terminé. On se sent aidé quand même, hein. Comme la fois où il a vaincu et notre dernier espoir. Bon, tu te démerdes et. Oh, bon et on compte sur toi. Dans quoi je me suis fourré, moi ? Je sais pas. Ah, y'a pas mal de choses qui ont l'air de se débloquer. Le méchant. Ok. On va commencer par. Ouais, je vais de gauche à droite. Il y aura des explications visiblement. Banc de Zeus. Récupérer de la foudre de Zeus afin d'accroître l'énergie maximale de Phénix. C'est ici que tu t'entraînes ? Banc de Zeus. Par les dieux, non. J'ai mieux à faire. Il suffit d'employer la foudre de Zeus pour renforcer ses muscles et son endurance. C'est ce que je fais.
Tu es un vrai modèle. Oui, je sais. Ironique. On est tombé bien bas si notre dernier espoir est une femme. Mais non, mais dites donc, le meilleur espoir. accroissez votre énergie maximale en dépensant la foudre de Zeus. Et j'ai 5 foudres, ok, c'est ça. Non, il en faut 5. Ok. Et l'autre, il est là pour Hermès, à quoi tu sers? Ok, donc ça c'est mon stock et ok, donc j'avais pile poil débloqué pour un niveau, c'est ça? Que je comprends, hein. Non, le menu c'est l'autre bouton. À transmettre les messages normalement. Oui, oui, bah. Être un peu plus utile, ça serait cool. J'ai 5 énergies. Ouais, ah non, le stock est là, donc j'ai bien 0. Donc j'ai pile poil ce qu'il faut pour. Je pense que ça a été calculé de toute façon pour déclencher au moins un niveau. Alors défi. Les choses, c'est qu'ils précisent pas c'est quoi quel défi. Ok. Ah bon. Il y a tout qui s'enchaîne. Et une urne. Je n'en sais rien. Hades a demandé qu'on lui livre. Citerne de Styx. Récupérer des pièces de charron afin d'améliorer les pouvoirs divins et compétences de Phoenix. Argo a brisé le dernier cadeau venu des enfers et regarde ce qui lui est arrivé. Qui c'est Argo? Telle est la question. Non, mais là les messages qu'il délivre, hein, sans déconner. Bon, j'ai cru comprendre que c'est là où je mets mes pièces pour augmenter mes compétences. Ça fait un peu moins glorieux dit comme ça, mais... Mes pouvoirs divins. Ah! Pouvoir que je n'ai pas encore. Alors normalement, bon, il n'y a rien qui lie au gain d'expérience. Esquive. Une attaque esquive, une autre attaque esquive. Esquiver 5 fois, c'est quand même pas mal. Saut d'escalade. Vol plané. Tout ce qui est mouvement, c'est... Collecte automatique. Bon, ça c'est de base. Et ensuite... une attaque classique, j'ai envie de dire. Je pense qu'il est possible de tout débloquer de toute façon, donc... Trop se prendre la tête... Ok. Ah oui, carrément. Acquisition, saut d'escalade. Utiliser des compétences et des pouvoirs divins pour prendre l'avantage des combats et d'exploration. Oui. Ça reste un minimum RPG. Ah, celui-là il va pas trop m'intéresser, je pense. Ah, c'est ici que les dieux viennent se faire soigner les dents? Non, c'est ici qu'on s'arrache la peau pour changer d'apparence. Yeah. Ah oui, c'est toujours mieux que le dentiste. Pardon? Ok, donc non, pas intéressé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Voici quelques idées et moyens pour agacer Typhon. Et comme les mortels semblent avoir besoin d'encouragement, je te donnerai de l'électrum pour chaque tâche. Enfin, étant moi-même le dieu du commerce, tu pourras le dépenser ici pour, eh bien, commercer. Oh, comme c'est malin. Mais tu peux aussi me payer avec ton propre électrum. Je croyais que tout ça était fait pour m'encourager. Je suis aussi le dieu des bénéfices. Dis donc, c'est pas donné? Oui, bon, je suis le dieu des voleurs. On a tous nos petits défauts. Qu'est-ce qu'il y a, en dessous? Une liste de corvées. Il faut que quelqu'un apprenne à Arès à nettoyer derrière lui. Tu as déjà essayé de nettoyer le sang après un bain de sang? Ce n'est pas très facile. Ah, ça sent quand même les petites quêtes inutiles. Tableau des tâches héroïques d'Hermès. Progresser parmi les tâches héroïques d'Hermès pour recevoir les récompenses exclusives. Mener à bien des tâches, j'ai pas le temps de lire. Bon. Magique, on peut pas tout valider, ce serait... Oh, et puis il y a du journalier. Comment essayer de faire augmenter la durée de vie d'un jeu, j'ai envie de dire. J'ai toujours pensé qu'on faisait trop à propos d'Atalante. Il est peut-être temps que quelqu'un la défie à la chasse. Ah oui, d'accord, il prend en compte ce que j'ai déjà commencé, quoi. Apprivoiser des montures, ok. Vaincre des animaux. Fouiller les coffres facultatifs des cryptes. Ok, possible qu'on entende le ding de Discord quand on est sur la scène de full screen. C'est peut-être le Discord de l'autre PC qui a réagi. Mais du coup, je me suis mis en... En ne pas déranger pour éviter. Je sais pas c'est lequel des deux qui a déclenché le son. Et l'avantage c'est que si je mets sur un des deux PC, il met sur les deux. Voilà, voilà. Mais je pense que oui. Il l'enverrait aussi même en plein écran. Mena bien que des défis mythiques de fresque. Ok. J'active tout, on verra bien. Hein. Nos faux effets visuels, oufoufoufou! J'ai gagné une foudre de Zeus. Ok. Ensuite, les popos. Chaudron de Circé. Utiliser les ingrédients collectés pour préparer des potions et accroître leurs effets à l'aide d'ambre dorée. Et s'efforça plutôt de se concentrer sur d'éventuelles recettes de potions. Bref, hein, je fais des ingrédients, je fais des popos, et puis voilà, hein, c'est... Ah, je peux améliorer les potions aussi. Et ça, c'est même mieux. Tout sur la potion de santé, hein. La potion que je vais plus utiliser. Ouais. Et c'est les mêmes ingrédients pour l'améliorer, c'est les mêmes ingrédients. Ok. Maximise la potion de santé. Potion d'attaque, potion de défense. Ok. J'imagine que les autres ingrédients, c'est pour les fabriquer. Ok. Galar, rien d'exceptionnel. Tac, oui, moi aussi, je mange des ingrédients et je... Oui... Oui. Hop. Vite animation de potion. Parce que voilà. Techniquement, si tu n'as pas foutu la moitié par terre. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Aïe. Qu'est-ce que tu as en tête? Un
c'est la monnaie des quêtes quotidiennes, j'imagine. Ah, et on peut acheter des points d'amélioration. Et si t'es plus pressé, tu achètes ça avec ta carte bleue. C'est la forge des Phaïstos. Ah, bonne nuit, Elf. Comme elle est mignonne. Des bisous. Essaie de ne pas te blesser, surtout. Mais Phénix n'écoutait pas. Elle était attirée vers la forge par une force inconnue. L'adamant qu'elle avait recueilli et qui désirait qu'on lui redonne forme. Ok. Donc là c'est du bleu. Bleu et du rouge. Bleu et du rouge. Flèche jaune. Ok, le bleu est le plus utilisé. Le jaune sert à ces deux-là. Voilà, de toute façon. Step up tout ça. Oui, bah c'est toi qui portes quand même tes armes. Ok. C'est bloqué. Et ici, c'est quoi? Améliorer sa barre de vie. Je sens de nouveau cette odeur merveilleuse. L'ambroisie, c'est la vie. Tu veux davantage de protection? Distille-en ici, bois-en et profite. Athéna elle-même a vidé ce Kilix et détruit toute la flotte grecque après l'avoir pourtant soutenue au combat. Une journée incroyable, épique. Oui, bon, il fallait être là pour l'apprécier. Beaucoup de mes parents y étaient. Ils sont morts. Et j'avais d'ailleurs prévenu Athéna. Mais m'a-t-elle écouté? Non. Et... Il y a quand même pas mal de niveaux à faire. Ah. What? Pas très optimisé ça. Ok. De l'électrum qui te brûle les poches? Non. Bon bah j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à faire, donc c'est le hub, hein, clairement. C'est clairement le hub. Par contre j'aurais bien voulu découvrir la zone. Et je me rappelle plus du tout de l'icône pour ça. C'est un point assez haut normalement, mais... Ok, donc je vais révéler des choses qui m'intéressent pas pour l'instant. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Puis en plus les quêtes quotidiennes que j'ai activées. Brouiller un peu les pistes, je pense.